pour être des pays d'hospitalité et un pays qui accueille ses frères africains et le monde avec beaucoup de fierté et beaucoup de bonheur. Je souhaiterais également remercier tous les chefs d'État qui nous rejoignent par vidéoconférence online et les présidents ici présents. Je voudrais remercier mon ami Axel qui vraiment nous a présenté très clairement ce que AIDA est en train de faire. Je souhaiterais vous dire quelques mots sur ce que le secteur privé va faire. D'abord, je voudrais dire que ma présence ici, aujourd'hui, maintenant, dans la position qu'aujourd'hui, a une double signification. La première signification, c'est que l'Afrique est importante pour la Banque mondiale. La deuxième signification, c'est que le lien entre le secteur privé et le secteur public constitue des choses essentielles. Que les politiques du secteur public aident à créer des emplois, aident à créer un environnement pour le secteur privé, mais également les objectifs du secteur privé visent à accomplir les objectifs de développement qui ont été mis en place et développés par les dirigeants de nos pays. Le lien entre le public et le privé, je crois, ce sont les choses qui seront nécessaires à articuler de manière encore plus forte dans les années à venir. Mon expérience personnelle, ayant travaillé dans la partie publique de la Banque mondiale, et maintenant responsable du secteur privé à la Banque mondiale, et ayant passé une bonne partie de ma vie professionnelle du côté des pouvoirs publics, du milieu de mon propre pays, le Sénégal, je crois me donner une perspective qui, j'espère, servira à renforcer le développement du secteur privé dans les pays africains. Donc c'est un véritable honneur aujourd'hui que de m'adresser à vous. Cette rencontre est une rencontre fondamentale et l'impact ravageur de la pandémie de COVID-19 nous oblige en effet à repenser nos modèles de développement, à réfléchir ensemble à notre impact. Des vies perdues, des entreprises fermées, des rêves reportés et une pandémie qui n'a fait que creuser les inégalités. À l'heure actuelle, alors que certains pays vaccinent en masse et commencent à rebondir, la route semble encore longue pour d'autres régions du monde. C'est le cas de l'Afrique et de grande partie des pays émergents et des pays en voie de développement. La pandémie a eu raison du sempiternel combat opposant le secteur privé et le secteur public. Avec la crise Covid, l'espace fiscal s'est fortement réduit. Dans certains cas, l'impact de la crise sanitaire sur les budgets nationaux s'est ajouté au coût exorbitant des dépenses de sécurité. Et bien que le gouvernement ait fait des efforts exceptionnels afin de mobiliser des ressources considérables pour faire face à ces crises, leur gravité et leur impact exigent une collaboration accrue entre les secteurs publics et privés, liés par des objectifs communs qui sont l'amélioration des conditions de vie de nos populations et donc l'investissement dans le capital humain, secondo, la création des conditions d'une croissance juste et inclusive qui soit également respectueuse de l'environnement. La fragilisation des acquis enregistrés au cours de cette dernière décennie met en évidence la nécessité d'accélérer des réformes qui permettront de renforcer le système économique et social, de réduire le déficit dans l'infrastructure, d'améliorer les indices de capital humain et de productivité du secteur réel. Car tous ces défis limitent sévèrement la compétitivité des économies africaines, alors même que le potentiel de croissance du continent n'a jamais été aussi évident. En effet, l'Afrique est en passe de s'imposer comme une importante zone de libre-échange. Au cours du libre-échange, une des plus grandes au monde. Mais une condition de cette intégration régionale accrue va exiger la mise en place et la mise en œuvre de cet accord de libre-échange qui ont été signés et qui a été adopté par l'ensemble des chefs d'État africains en collaboration avec l'Union africaine que préside notre frère Fatih. Au sein du groupe de la Banque mondiale en général et de la SFI en particulier, nous avons déjà pris acte de ces défis. Mieux encore, nous sommes conscients qu'il faut changer de paradigme pour capitaliser sur les opportunités émergentes en phase avec les réformes mises en œuvre pour une reprise plus résiliente. C'est dans ce contexte que la SFI a lancé sa stratégie PRI 3.0 qui met le développement économique et social au cœur des objectifs du secteur privé. Il s'agit d'intervenir à un stade beaucoup plus précoce du développement des projets afin de défricher les nouvelles possibilités d'investissement jusqu'à créer des marchés là où il n'en existe pas encore. Celle-ci sous-tend une démarche proactive de développement des secteurs en collaboration avec les autres entités du groupe de la Banque mondiale. L'ultime objectif est de libérer le potentiel du secteur privé pour créer de la valeur ajoutée ainsi que des millions d'emplois dans nos pays ont tant besoin.
Ceci permettra également de générer les ressources internes pour investir dans les infrastructures et dans le capital humain. La mise en œuvre de cette stratégie exige également une collaboration étroite entre la Banque mondiale, avec la Banque mondiale pour promouvoir les réformes nécessaires à la transformation des secteurs. C'est ainsi que le groupe de la Banque mondiale s'est doté d'une gamme d'outils analytiques et financiers, tels que les diagnostics du secteur privé, qui informent les stratégies pays du groupe, et d'outils comme la SFI MIGA, promotion du secteur privé, IDA, ce qu'on appelle en anglais PSW, qui a été créé dans le but d'atténuer les incertitudes et les risques réels ou perçus qui freinent les investissements dans les pays IDA et particulièrement dans les États fragiles et touchés par les conflits. Le guichet PSW comporte 4 facilités, dont 3 sont gérées par la SFI. C'est le cas de la facilité de financement concessionnel, dont l'objectif est de réduire les risques financiers des projets. Deuxièmement, la facilité de financement en monnaie locale, qui permet de réduire les risques de change des entreprises. Troisièmement, la facilité de garantie des infrastructures dans le cadre notamment des PPP. En créant un effet de levier, le guichet secteur privé IDA permet donc à la SFI d'augmenter de manière significative ses engagements dans les pays éligibles, en particulier dans les pays fragiles et pays en conflit. Cette nouvelle approche a déjà enregistré des résultats probants. Environ 1,7 milliard de dollars de guichets en secteur privé de l'IDA, PSW, ont été approuvés par le conseil d'administration pour soutenir des projets à fort impact permettant plus de 3 milliards de dollars d'investissement. Environ 50% de ces ressources ont été déployées dans les pays fragiles et les pays en conflit. Dans les pays du Sahel, par exemple, le guichet secteur privé de l'IDA nous a permis de promouvoir des chaînes de valeur régionales, y compris au Mali et au Burkina Faso, d'ouvrir le programme Scaling Solar à de nouveaux pays ou encore de développer les infrastructures financières. Cependant, la crise que nous traversons actuellement appelle à accélérer les réformes pour améliorer le climat des affaires, mobiliser davantage d'investissements privés et assurer une reprise plus solide et inclusive sur le continent. Nos diagnostics sur le secteur privé dans les pays africains ont démontré que l'avenir se jouera autour de secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables, le développement des PME, les chaînes de valeur agricoles, y compris et surtout la transformation locale, l'économie numérique, l'habitat et bien sûr la santé. Les micro et petites et moyennes entreprises, l'épine dorsale de nos économies, méritent une attention particulière. Il s'agit d'un problème complexe qui nécessite une approche holistique et coordonnée entre les différentes parties prenantes, l'État, le système financier, les partenaires au développement. Avant la crise, le déficit de financement des PME en Afrique subsaharienne était estimé à 330 milliards de dollars. Depuis, 25% des entreprises ont été contraintes d'arrêter leurs activités et près de 90% ont subi des pertes de revenus. La situation étant pire pour les entreprises gérées par les femmes. Un fait d'autant plus inquiétant lorsqu'on sait qu'il faudra créer 20 millions de nouveaux emplois chaque année jusqu'en 2030 pour absorber la croissance de la population en âge de travailler. Ceci est notre défi collectif. La création d'une alliance pour l'entrepreneuriat en Afrique avec la SFI, annoncée lors du sommet de Paris sur le financement des économies africaines, en parallèle du soutien à l'accélération des réformes pour améliorer le climat des affaires et des investissements, est donc la bienvenue. Dans le cadre de cette alliance, nous avons annoncé une enveloppe de financement de 2 milliards de dollars supplémentaires pour soutenir les PME en Afrique et stimuler le financement du commerce intra-africain. J'insiste beaucoup sur le commerce intra-africain. En particulier, le commerce transfrontalier. Nous allons également œuvrer à améliorer le dialogue du secteur privé, public-privé, au niveau régional. Nous souhaiterions, Monsieur le Chef de l'État, si vous le permettez, proposer de lancer une initiative pour un dialogue plus soutenu entre le secteur privé et le secteur public dans notre sous-région et dans les sous-régions africaines, afin que l'on puisse créer les conditions de la création de géants africains qui puissent justement s'appuyer sur les éléments de spécialisation qui ont été développés dans chacun des pays et créer des chaînes de valeur régionales qui manquent tant à nos économies et qui permettront de faire face à la crise, aux chocs extérieurs tels que ceux que nous enregistrons aujourd'hui. Nous contribuons aussi à réduire les coûts des facteurs de production et stimuler l'innovation par une concurrence plus forte et le développement du partenariat public-privé dans les secteurs comme le numérique.
car connecter le monde n'est plus un luxe. En effet, les défis et perturbations provoqués par la pandémie de COVID-19 ont montré à quel point la connectivité numérique est essentielle, tout autant que l'accès à une électricité propre, fiable et abordable. Si les investissements récents en câbles sous-marins montrent que l'Afrique comblera vite son déficit en matière de ODD, l'essor de ce type d'investissement privé nécessite des politiques favorisant la concurrence et le partage des infrastructures. La garantie d'une concurrence saine et le partage à travers le renforcement du rôle des régulateurs indépendants est ainsi primordial. Nous saluons toutes les initiatives récentes que nous avons vues sur le continent qui visent à développer le secteur du numérique avec la création de data centers, la création d'autres unités qui permettront aux pays africains justement d'assurer une meilleure intégration dans le monde du numérique. Nous pensons que la mise en place de ces mesures permettra de réduire le coût du numérique en Afrique. Dans un avenir très proche, nous pensons qu'avec les investissements en infrastructure et les réformes qui sont mises en place, l'Afrique va avoir un coût du numérique qui soit compétitif vis-à-vis du reste du monde et créer les emplois dont nous avons tant besoin. Nous devons maintenant nous engager non seulement à restituer les ressources, à reconstituer les ressources du guichet privé de l'IDA, mais à les porter au moins à 3 milliards de dollars dans le cadre de l'IDA 20. C'est ce que mon ami Axel est en train de mettre en œuvre dans le cadre de ces discussions sur l'IDA 20. C'est la seule façon de pouvoir respecter nos objectifs et engagements communs tout en veillant à ce que les investissements continuent d'affluer vers les marchés vulnérables. Et en effet, le financement concessionnel est un outil important pour aider à rééquilibrer le rapport risque-rendement des investissements envisagés. Monsieur le Président Chevita, je sais que nous sommes vraiment un agenda très chargé et je m'arrêterai ici. Mais en conclusion, je souhaiterais vous dire que l'Afrique est résiliente et les crises auxquelles nous avons fait face nous ont permis aujourd'hui de nous développer. Lorsque nous avons fait face à la crise Ebola, nous avons créé le CDC Africa qui aujourd'hui a été un instrument majeur de répondre à la crise de la pandémie. Aujourd'hui, face à la crise COVID-19, les États sont en train de mettre des politiques en place qui permettront de répondre aux objectifs à court terme. Nous avons été extrêmement impressionnés par la volonté des États de faire face aux problèmes structurels et de créer sur le continent des industries qui permettront à l'avenir de faire face à ces chocs de manière indépendante et de manière qui permettra à ces pays africains de ne plus être totalement dépendants de ce qui se passe dans le reste du monde. Nous saluons cette volonté des chefs d'État. Nous sommes prêts à nous associer à ces efforts. Nous avons déjà commencé à le faire dans le domaine spécifique de l'industrie pharmaceutique. En conclusion, je voudrais dire deux choses. Le rôle d'ASFI 3.0 en Afrique sera de développer un secteur privé africain fort. Sans un secteur privé africain fort, il n'y aura pas de création d'emplois en Afrique. Deuxièmement, ce secteur africain fort sera composé d'industriels, de petits producteurs, d'éleveurs, de planteurs de cacao. L'ensemble de ces acteurs seront ceux qui créeront la richesse et créeront les emplois dans nos pays. Et nous sommes prêts, au niveau de la SFI 3.0, à soutenir ce développement et ce renforcement du secteur privé africain. Deuxièmement, il sera important que nous continuions à réduire le risque attaché à l'investissement en Afrique et assurer que les investisseurs institutionnels qui disposent de grandes liquidités dans le monde puissent investir encore plus dans les infrastructures africaines afin de pouvoir créer une dynamique de croissance encore plus forte. Je vous remercie et je m'excuse d'avoir été un peu. Excellences, Monsieur le chef d'État et du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le directeur général des opérations de la Banque mondiale, Monsieur le directeur général de la SFI, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord vous féliciter, Monsieur le Président et chers frères Alassane Ouattara, d'avoir pris l'initiative d'organiser avec d'aussi importants partenaires que sont la Banque mondiale et la Société financière internationale, cette rencontre de haut niveau consacrée à la 20e reconstitution des ressources de l'IDA. Il me plaît à juste titre
de saluer votre incontestable leadership sur toutes les questions économiques du continent et plus globalement sur la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Afrique dont vous êtes le champion. Je me réjouis de la présence parmi nous de leurs excellences, Monsieur le chef d'État, ainsi que des représentants des institutions financières qui déploient des efforts significatifs, fort louables, en matière de mobilisation des ressources en faveur de l'Afrique, notamment en ces temps de crise que vivent les économies africaines depuis bientôt 2 ans. Après 2 décennies de performances économiques notables, l'Afrique a été interrompue dans son élan par la pandémie de la COVID-19. Elle a connu la pire contre-performance jamais enregistrée au cours des dernières 25 années, avec un taux de croissance de moins de 2%, une augmentation de 25 à 30 millions du nombre de chômeurs et un retour d'à peu près 40 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. Si on y ajoute la forte destruction du capital humain consécutif aux fermetures des milliers d'écoles, des centres de santé et des structures de formation, les chocs sont incommensurables. Les économies avancées ont réussi à mettre en place des mesures de relance d'une valeur de plusieurs milliers de milliards de dollars pour soutenir leurs économies et les moyens de subsistance de leurs populations les plus vulnérables. Ces mesures, estimées à 24% de leur PIB, attestent d'un écart dramatique avec ceux des pays du continent estimés à 2% du PIB. Alors que la pandémie de la COVID-19 continue de sévir, les niveaux d'endettement augmentent avec des seuils actuellement projetés à 70% du PIB en 2021. Comme nous le savons tous, les pays africains n'ont qu'une marge de manœuvre budgétaire fort réduite en raison de la structure de leurs économies, de l'importance du secteur informel et de la faiblesse des recettes fiscales avec un ratio de 17,2% par rapport au PIB. Pour combler les déficits budgétaires, le continent a eu recours à l'aide financière internationale par le biais, entre autres, du moratoire sur la dette et des nouvelles dettes. La pression à laquelle sont soumis certains de nos pays pour pouvoir maintenir le paiement du service de la dette afin d'éviter la stigmatisation des marchés financiers est trop forte, voire insoutenable. Le surendettement place d'autres en situation de défaut de paiement. Pour faire face à cette situation, l'Union africaine a nommé 5 envoyés spéciaux qui sont d'éminentes figures de la finance internationale dont la mission est de plaider pour l'allègement, la restructuration de la dette, voire l'annulation de celle-ci. Permettez-moi de les féliciter de l'excellent travail qu'ils accomplissent. Certes, le continent bénéficie de l'initiative de suspension du service de la dette du G20 et du Club de Paris jusqu'à la fin de cette année 2021. Mais cela est trop modeste pour infléchir la courbe des pressions. Nous ne nous lasserons jamais d'appeler à une restructuration urgente de la dette, accompagnée d'une politique audacieuse allant au-delà de ce qui est prévu en matière des droits de tirage spéciaux pour soulager les besoins pressants de liquidités immédiates, pour l'achat des vaccins et pour jeter les bases de la relance économique. Excellences, Mesdames, Messieurs, la crise de la COVID-19 a montré une fois de plus les failles et les limites du modèle de développement de nombreux pays africains. Des leçons courageuses méritent d'être tirées en vue de promouvoir un nouveau modèle de développement, résolument orienté vers des économies plus vertes, plus diversifiées, plus endogènes, plus inclusives, plus centrées sur l'investissement dans le capital humain et la création d'emplois, et davantage plus résilientes vis-à-vis des chocs exogènes futurs. C'est en cela que réside toute la pertinence de la conférence qui nous réunit ici aujourd'hui. L'exploitation du potentiel agricole, minier et marin, l'accélération du rythme de la digitalisation,
se place ici en tête des priorités. Ma hantise depuis que j'exerce mes fonctions actuelles, dois-je le confesser, est celle-ci. Comment faire pour cesser d'importer à grands coups ce que nous consommons, en dépit d'un si riche potentiel? Quitte du secteur informel africain, et plus que partout ailleurs, contribue pourtant 5% du PIB africain et emploie près de 75% de la main-d'œuvre. L'investissement massif dans les infrastructures pour stimuler l'activité économique, relier les producteurs au marché, accroître le commerce intra-africain, la croissance et l'intégration régionale s'inscrivent en haut du tableau de la zone de libre-échange continentale africaine. Il est vivement souhaitable que les institutions financières actuelles et celles auxquelles le traité d'Abuja a fait appel, la Banque centrale africaine et le Fonds monétaire africain notamment, dont la mise en place est projetée, intègrent de telles préoccupations dans leur plan stratégique de financement du développement de l'Afrique. Se pose ici une problématique du continent dont j'ose poser les termes. Il s'agit du financement de la paix et de la sécurité à l'échelle de toute l'Afrique. Cette exigence, traditionnellement laissée à d'autres cadres et instruments de financement, ne saurait désormais, compte tenu de son extrême sensibilité et urgence, ne pas retenir la haute attention de nos États et de nos partenaires internationaux. Les drames et périls qui se nouent au Sahel, dans le pourtour du lac Tchad, dans la Corne de l'Afrique, à l'est de la RDC, au Mozambique, à Cabo Delgado, ne nous laisse point de place à une autre alternative. Comment peut-on envisager le développement quand des États à l'instar de ceux du Sahel consacrent le quart, voire le tiers de leur budget aux dépenses de défense et de sécurité? Dans cet ensemble de priorités à financer, l'industrie pharmaceutique locale est désormais une question de survie impossible à reporter. Une action concrète avec l'OMS et d'autres opérateurs spécialisés est urgente pour alléger les contraintes potentielles en termes de propriété intellectuelle et de transfert de technologies afin de produire localement les vaccins et toute autre sorte de produits pharmaceutiques, matériels et équipements médicaux. À ce jour, l'Afrique investit plus de 80 milliards de dollars par an pour l'importation des produits, soit 90% de ses besoins. J'espère que la création de l'Agence africaine des médicaments, en étroite symbiose avec Africa CDC, auquel je rends un hommage mérité, prenne rapidement à bras le corps nos urgences dans ce domaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'organisation de cette réunion qui fait suite à l'appel lancé lors du sommet de Paris sur le financement des économies africaines au mois de mai dernier pour la reconstitution des ressources de l'IDA à hauteur de 100 milliards de dollars avant la fin de l'année 2021 est un bon signe que nous saluons de toutes nos forces. Elle intervient également juste après les assemblées générales de la Banque africaine de développement du mois dernier, au cours desquelles d'importantes et heureuses initiatives en faveur de l'Afrique ont été prises, tant pour ce qui concerne l'allègement de la dette que pour faire face aux chocs sanitaires et économiques induits par la COVID-19. Les interventions de l'IDA et du groupe de la Banque mondiale sont essentielles pour un développement structuré, inclusif et soutenable de nos économies. J'ajoute avec force notre voix à tous ceux qui souhaitent que les ressources de l'IDA soient reconstituées avec une réelle amplitude. C'est aussi un signal qui vient s'ajouter aux autres qu'un nouvel espoir de solidarité internationale est à nouveau permis. Un nouveau multilatéralisme de générosité, de solidarité et d'engagement pour l'universel est-il en train de renaître? Pourquoi s'interdire de rêver? Que notre conférence, si en devient l'acte de naissance, son acte fondateur. Quoi de plus naturel que ces rêves bourgeonnent ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, ville hospitalière et toujours pionnière dans la croissance économique africaine. Nos amis de la Banque mondiale tout à l'heure nous ont demandé quelle est notre vision et quelles sont nos ambitions.
Our friends of World Bank asked us our vision and our ambition. I can respond. Our ambition, our dream, is to transform AIDA from International Development Association to inclusive, immediate development of Africa. Tout en les souhaitant à demain, je vous remercie de votre aimable. AIDA fait 70% pour l'Afrique, vous voulez que ce soit 100%, n'est-ce pas? Excellences, chers frères et sœurs, le protocole a tout à l'heure mentionné les noms de tous ceux qui sont présents. Et je remercie également les chefs d'État, frères et sœurs qui sont en visioconférence. Et je voudrais dire à mes frères et sœurs qui ont fait le déplacement combien nous sommes honorés de vous accueillir à Abidjan. Merci d'être là et merci pour votre présence à nos côtés. Je remercie bien évidemment le président de l'Union africaine et des communautés régionales, les présidents d'institutions, les amis Axel, Martin et Ousmane, de la Banque mondiale, et bien évidemment les autorités ivoiriennes, à commencer par le Premier ministre, le président de l'Assemblée et le président du Sénat. Mesdames et messieurs, je vous salue et je vous dis bonjour. Et à quoi d'un à Abidjan. C'est donc avec un réel plaisir que je m'adresse à vous à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la réunion de plaidoyer pour la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement IDA-20. Je voudrais exprimer mes chaleureux remerciements à nouveau à mes homologues chefs d'État et de gouvernement qui ont fait le déplacement à Abidjan pour prendre part à ce rendez-vous hautement important organisé en collaboration avec la Banque mondiale. Chers frères et sœurs, merci pour votre présence. La Côte d'Ivoire est honorée ce matin. Et comme je le disais tout à l'heure, mes remerciements vont bien sûr également à l'endroit de nos frères et sœurs qui ont décidé de nous suivre en visioconférence. Et je remercie à nouveau les chefs d'État qui se sont fait représenter par leur ministre des Finances. Et je voudrais dire que, en vous disant à quoi va, bienvenue. Je vais vous dire que le peuple de Côte d'Ivoire est particulièrement heureux de réunir cette rencontre. Nous le faisons en collaboration avec la Banque mondiale. Et comme vous le savez, cette rencontre se tient dans un contexte particulièrement difficile, marqué par la pandémie de COVID-19. En effet, la COVID-19 a entraîné une crise sanitaire, sociale, économique sans précédent. Elle a freiné la dynamique de croissance amorcée dans plusieurs régions du monde. Ainsi, l'Afrique subsaharienne a connu en 2020, en plus des attaques terroristes, sa contre-performance la plus importante jamais enregistrée, avec un taux de croissance négative, c'est-à-dire une baisse de la richesse nationale de 1,9%, comme le disait Faki, d'environ 2%, et une augmentation de 32 millions de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Nous saluons les efforts déjà déployés en matière de financement
de suspension du service de la dette et de mise à disposition des vaccins. C'est le lieu d'exprimer notre gratitude à l'ensemble de nos partenaires, notamment le groupe de la Banque mondiale, pour leur soutien constant. Nous avons aussi lancé dans nos pays respectifs des plans de relance sanitaire, sociale et économique pour contenir les effets néfastes de cette pandémie. Cependant, beaucoup reste encore à faire pour surmonter cette crise qui, comme nous le voyons ces temps-ci, est globale avec plusieurs cycles. En effet, moins de 3% de la population totale de l'Afrique a reçu une première dose de vaccin contre environ 54% aux États-Unis et dans l'Union européenne. Par ailleurs, alors que la reprise dans les économies avancées sera financée en grande partie par des milliers de milliards de dollars de mesures budgétaires et des politiques monétaires extraordinaires et accommodantes des banques centrales, les pays d'Afrique subsaharienne ne disposent malheureusement pas de la même flexibilité et des mêmes instruments. Et comme j'ai eu l'occasion de dire à la directrice générale du Fonds monétaire international, je pense que ceci est totalement injuste que les pays africains soient limités dans leur financement par des plafonds de déficit qui sont totalement irréalistes au regard de la lutte contre le terrorisme, de la pandémie que nous vivons. Bien évidemment, si Axel et ses collègues arrivaient à augmenter des ressources concessionnelles, je pense que notre plaidoyer que nous devrions faire, c'est de dire au Fonds monétaire international d'accepter d'augmenter le plafond de déficit dans les pays en Afrique, au sud du Sahara, comme cela a été fait pour l'Europe. Le Fonds monétaire international, et comme vous le savez, le Fonds monétaire international, c'est l'ancien directeur général adjoint du Fonds qui parle, je dois dire que je suis totalement contre cette volonté de maintenir le déficit à 5 ou 6%. Alors que les pays européens sont à 8 ou 9% et les États-Unis sont à 9% de déficit. Cela étant, le Fonds monétaire estimait le besoin de financement en Afrique subsaharienne à 285 milliards de dollars sur les prochaines années pour lutter contre la pandémie de COVID-19, le dérèglement climatique et accélérer la reprise économique. Comme dirait certains commentateurs, le problème que nous avons, c'est le problème des 3C, les conflits, le climat et malheureusement la COVID-19. Outre leurs efforts propres de mobilisation des ressources domestiques, les pays africains ont besoin d'un soutien plus important de l'ensemble de leurs partenaires. De plus, nos États font face à une recrudescence des attaques terroristes, sans oublier que la pauvreté est l'une des principales causes du terrorisme et des migrations. La solidarité est donc indispensable pour le bien de tous et pour combattre les divergences entre les régions du monde ainsi qu'à l'intérieur des pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, lors du sommet sur le financement des économies africaines à Paris, en mai dernier, et nous avons retenu plusieurs pistes de solutions, notamment en premier l'allocation par le FMI de 650 milliards de dollars au titre des droits de tirage spéciaux et la réallocation volontaire d'une partie des DTS des pays disposant de réserves extérieures confortables au profit des pays africains, puisque
l'Afrique au Sahara, en raison de sa quote-part, n'obtiendrait que 30 milliards de francs CFA, et 30 milliards de dollars, pardon, et l'objectif de Paris a été de porter ce montant à 100 milliards de dollars si les pays disposant de réserves extérieures confortables faisaient ce geste de générosité. En troisième lieu, nous avons parlé d'une reconstruction ambitieuse des ressources de l'IDA. Et quand nous nous sommes rencontrés, Axel et moi, nous avons longuement discuté de ces besoins de ressources concessionnelles pour permettre de financer des déficits plus importants dans nos pays. Et ceci explique cette conférence d'Abidjan. Et je voudrais vous remercier, Axel, pour votre initiative, ainsi que vos collègues, la SFI Matar et votre collaborateur Ousmane Gadara. Nous avions aussi parlé, bien évidemment, d'un accompagnement du secteur privé à travers des mécanismes de financement innovants et des infrastructures et des instruments de réduction des risques. Et je voudrais saluer mon jeune frère Matar pour sa présentation et souhaiter que la présence d'un Africain, je crois, pour la première fois à la tête de la Société financière internationale, nous permettra de voir un intérêt plus grand sur le financement, concernant le financement du secteur privé, et car le secteur public, avec la volonté et l'efficacité que nous notons, avec Axel, les choses ont bien évolué. Nous notons aussi avec satisfaction, malgré les critiques, que les choses évoluent dans le bon sens au Fonds monétaire international, notamment en ce qui concerne les BTS, et bien évidemment, grâce à la récente réunion des ministres des Finances des pays du G20, qui ont adopté donc cette création des BTS, en concurrence de 650 millions de dollars avec une trentaine de milliards, pardon, 650 milliards, avec une trentaine de milliards pour l'Afrique. Et j'espère que donc conclusion du sommet de Paris nous permettra effectivement d'avoir le triplement de ce montant. Et je note, selon le G20, que cette décision doit être prise par le Conseil d'administration du Fonds monétaire en août, avec un décaissement dès le mois de septembre. Notre réunion d'aujourd'hui vise à arrêter nos priorités communes de développement et à faire, dans le cadre de la reconstitution des ressources de l'IDA, un plaidoyer auprès des principaux donateurs de l'IDA afin de mobiliser au moins 100 milliards de dollars en vue de relancer nos économies. Et ce serait le montant le plus important jamais mobilisé à ce jour. Donc, toutes nos félicitations à nos amis du groupe de la Banque mondiale. Cette réunion devrait nous permettre de discuter de nos défis communs de développement, notamment en matière d'amélioration du capital humain, comme vous l'avez souligné, de création d'emplois pour nos jeunes et nos femmes, et de relance économique pour le bien-être de nos populations. Excellences, mesdames et messieurs, la rencontre d'Abidjan permettra, je l'espère, de parvenir à une déclaration, dite déclaration d'Abidjan, retraçant nos priorités d'investissement et nos engagements pour améliorer notre capacité d'absorption et une utilisation transparente et efficiente des ressources qui seront mises à disposition en vue d'une 20e reconstitution ambitieuse des ressources de l'IDA aux environs de 100 milliards de dollars pour les 3 prochaines années. C'est une bonne occasion pour montrer que la solidarité est effectivement essentielle, je dirais même elle est obligatoire, pour le bien de toute l'humanité et pour construire ensemble un monde plus sûr et bien évidemment nous souhaitons plus prospère. Je reste convaincu que les échanges avec les chefs d'État
qui a bien voulu venir à cette conférence et qui nous regarde dans plusieurs, et qui participe dans plusieurs conférences, avec l'ensemble des experts ici présents, permettront de consolider les acquis et de jeter les bases d'une coopération solide, durable et viable, à même d'accélérer le développement de l'Afrique pour le bien-être de nos populations. C'est donc sur cette note d'espoir et de remerciement que je souhaiterais clore mon propos en déclarant ouverte la réunion de plaidoyer pour une 20e reconstitution ambitieuse des ressources de l'État. Je vous remercie, mesdames et messieurs.